Eh bien le bonjour, oui je sais, je pense que personne ne s'y attendait, mais 5 ans après avoir fait mes derniers Vlogmas, je recommence. Pourquoi 5 ans après? Parce que en 5 ans, je pense que je suis devenue beaucoup trop perfectionniste déjà et que j'écoute beaucoup trop la vie des autres, de plein de personnes que je ne connais pas. Et du coup, ça fait que dernièrement, depuis on va dire un an, 80% des choses que je filme ne sortent jamais. C'est un fléau. Je filme plein de trucs tout le temps et à chaque fois, je reviens dessus et je me dis meh. Et au final, le temps passe et je sors pas les vidéos. Du coup, je me suis dit que j'allais refaire ce challenge qui est du coup de faire une vidéo par jour pendant le mois de décembre jusqu'à Noël qui raconte un petit peu notre quotidien. Du coup, moi j'ai un quotidien assez rempli. Je ne sais pas s'il est intéressant, en tout cas il est rempli parce que je fais pas mal de choses. Je gère ma boutique Eclipse, cette chaîne YouTube, je fais des lives et j'essaye d'avoir une vie saine. Mentalement. Du coup, je voulais faire ce petit challenge parce que de base, YouTube, j'avais commencé pour en faire des souvenirs, pour partager des choses et c'est des choses que je fais de moins en moins parce que, je sais pas, j'ai peur des gens, j'ai peur de ce qu'on va me dire, c'est jamais parfait, c'est jamais... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc écoutez, faire un vlog par jour veut dire que ce seront pas des vlogs qualité parfaite, télé, machin truc, parce que forcément le temps va manquer, mais j'imagine que vous verrez ça au fil de notre voyage ensemble. Enfin voyage, tout est relatif. Mais voilà, nous sommes actuellement le 30 novembre, du coup c'est la veille, mais le but c'est qu'il y ait un vlog par jour pendant le mois de décembre, donc je vais commencer aujourd'hui et je vais vous montrer une journée typique. Donc là il est 8h30, faut que je sorte un petit peu le chien et ensuite je pars au bureau et vous allez voir. Partie de ces gens qui vivent dangereusement. Non, tais-toi. Je sais pas pourquoi ça s'allumait, c'est pas censé s'allumer jusqu'à ce que ce soit à 75 000. De toute façon, elle va au garage dans une semaine. Ça, je vis dangereusement. Non, mais c'est parce que il y a les... Maintenant, ils vous disent combien de kilomètres vous pouvez encore faire. 40. C'est large. Ça fait une semaine. C'est large. Bon, si jamais avant de rentrer, le bureau d'Eclipse, c'est vraiment le bordel. Je sais pas si mon frère a rangé depuis, mais je pense pas, parce que là, il est en arrêt maladie pour 3 semaines. Et du coup, même avant ça, le problème avec Eclipse, c'est qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de choses et on devrait faire des allers-retours à la déchetterie toutes les semaines pour enlever les cartons, pour ne pas être submergé de cartons, parce que là, on est submergé. Mais genre, submergé. Je vais vous montrer. Ils ont oublié une lettre sur la boîte aux lettres. Je suis tristesse. Ah oui! Ah oui! Oh my god! Ça me fume, putain, y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Ok. On va quand même essayer d'y voir plus clair. Faudrait que je plie certains de ces trucs là. Marquerait qu'il en reste encore la moitié, hein. C'est normal, c'est parce que tout ça c'est pas ouvert. Ces trois là, c'est des frisures, c'est ça. Vous voyez ça ou pas?
les trucs noirs là qu'il y a partout, c'est pour mettre dans les box. Pour pas que les trucs bougent à l'intérieur. Et ces 33 colis ici sont arrivés hier. Et c'était ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas par où commencer. Ce sont les fameux colis qui ont été perdus pendant longtemps et qu'on a retrouvés. Ouh ! On dirait que le truc va imploser. C'est à peu près le cas. Oh, waouh ! Comment c'est comprimé dedans ! Incroyable. Dedans, nous avons les futurs, enfin très prochainement du coup, plus trop futurs, peluches d'Eclipse. Ça me bute, mais comment ils ont fait rentrer tout ça là-dedans? Ça me fait grave plaisir parce que je trouve que la boucle est bouclée. Enfin, pas totalement, mais la boucle de cette année est bouclée. Parce que l'année dernière, je commençais ma première story, mon premier vlog, on va dire, ma story d'Eclipse sur YouTube. Et c'était la story où je recevais toutes les peluches cactus, du coup, l'année dernière. Et j'avais jamais reçu... Moi, je suis toute seule, j'ai ouvert mon petit truc dans mon coin, ma petite boutique. Je savais pas du tout ce que ça faisait de recevoir 33 colis avec 1000 trucs. Et c'était très rigolo, et du coup, bah tout ça c'est arrivé hier, le soleil se barre en même temps que je parle, hein. Mais du coup là, il y a 1500 peluches, c'est gigantesque, je savais pas combien il y en a par colis. Mais du coup, en fait, il y en a 500 de chaque, ça c'est donc la première, c'est Jupiter. Elle est trop chou! Les yeux sont brodés, est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit? Il faut la rapprocher, regardez-moi cette qualité de caméra, les yeux et la bouche sont brodés du coup. Et j'en avais déjà parlé, mais il y a un moment, parce que les colis ont mis du temps à arriver, mais cette fois-ci bah, je vous les remontre parce qu'elles sont vraiment là. Donc là on a Jupiter. Un esquimau. Ah oui, ah la doudoune chauffante et tout. Les gants chauffants, la doudoune chauffante. J'ai deux paires de chaussettes, un collant sous ce jean. J'ai un débardeur, j'ai mon haut de ski sous ce pull. Un peu plus. Ah oui, t'es au courant que t'as fait 2 mètres dehors et que le reste t'étais dans la voiture? Trop froid. Moins 4 j'ai vu ce matin. Je suis en train d'ouvrir les peluches. Regarde comme c'est trop rigolo. Attends. Ça va exploser, non, ça va faire pouf. Ah mais... Je m'attendais pas à que ça fasse pouf à ce point là, mais déjà, alors, mais vraiment, mais, qui ça monte, c'est des simples mouvements mais dans l'autre sens, c'est incroyable. Donc là nous avons Mars, c'est pour toi la balle. Ah bah nanana, les peluches. Ah les peluches en plus. C'est quelque chose. Est-ce qu'on voit bien avec le soleil? Non, celle-là, elle rend pas bien avec le soleil. Ah non, je la montre après. Elle fait... Ah. Je suis du mauvais côté. Donc on voit avant que je vois l'écran. Incroyable. Non, mais c'est le soleil, je pense. Ouais. Si on la met là. Et celle-là, c'est... Ça, c'est Jupiter. Elle est trop chaud. C'est les visages, ça fait mais tout. Oui. C'est exceptionnel, hein. Franchement, c'est du coup, il y en a combien par carton? Je sais pas, j'ai voulu faire le calcul, puis je me suis dit ah flemme, parce qu'il y a 33 bien. Cartons, il y en a 1500 en tout. Donc il y en a 500 dans 11 cartons. Cartons. Ça fait 45,45, 45, 45, 45. 45 peluches par truc? Ça me paraît... Oh non, c'est énorme. Quand tu vois la gueule, quand tu vois la taille qu'elles font... Il doit avoir... je pense qu'il faut une machine de taré hein, pour faire ouais, ça. Je pense que la machine qui met le scotch là, elle y va à fond quoi. Ouais. C'est incroyable.
C'est extrêmement satisfaisant. En même temps, un petit peu, ça fait un peu peur aussi. Waouh, ouais, 45 là-dedans, il y en a 45. Du coup, si elles arrivent un peu aplaties, c'est normal. C'est parce que c'était là-dedans. Hop, faut switcher jusqu'à ce que ça fasse un beau rond. Celle-là, c'est le meilleur visage. Et Quentin. Quentin, incroyable. C'était pas la raison pour laquelle nous sommes venus. Nous sommes venus. Il est temps de rentrer et de poursuivre la journée. Voilà, après une matinée productive à faire des box, il me reste maintenant à faire des photos de ceci. Ça rentre pas dans mon sac? Non. Ah, il clignote. Ça veut vraiment dire tu te fous de ma gueule, meuf. Dépêche-toi. T'as combien? Il clignote à... Ah. Ouais, je pense que c'est le moment. Ouais, je pense que c'est le moment. Personne derrière moi. Bon, évidemment, il y a le facteur qui est arrivé. Oui, j'ai un swag incroyable avec un bonnet, je sais. Le facteur est arrivé 2 minutes après que je sois partie du bureau, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Du coup, il a déposé un colis devant la porte, du coup, il faut que je repasse un aller-retour. C'est tout con, mais le bureau est à 15 minutes de chez moi. Donc, à chaque fois, c'est que ça m'arrive souvent, évidemment, à chaque fois, je perds un temps fou. Je crois qu'elle est possédée, ma voiture. Maintenant qu'il y a de l'essence, bon oui certes il y a de la poussière déjà, mais maintenant qu'il y a de l'essence, il n'y a plus le voyant service allumé. J'ai récupéré le colis, c'était pas ce qu'il fallait. Du coup c'est pas grave, ça arrivera demain. Du coup maintenant je rentre chez moi et avec tout ça il est déjà 14h. Du coup le temps passe vite. Et coucou, toujours les deux mêmes qui m'accueillent. Toujours les deux. Pourtant, j'en ai un autre. Hein. Où est-ce qu'il est? Il est où le sac? Il est là? Il est là. Lui, il en a rien à foutre. Hein? Mais vous, vous êtes contents? Bah oui. Au moins deux. Hein. Au moins que je me fasse accueillir chez vous. Bon, elle est pas contente. Elle m'accueille pas. Elle me dit pourquoi t'es partie. Je suis partie parce que je travaille. J'adore rentrer le midi et directement ne pas avoir le temps. Du coup, là, vu l'heure... Ouais, je suis en retard, hein. C'est pas à toi que je parle! Toi, tu t'en fous que je sois en retard? C'est toi qui sors. Mais va tout de suite. Est-ce que ça t'intéresse quand je dis? Si tu veux... Est-ce que... J'ai même pas dit le mot encore! Wilson, est-ce que... Tu veux un dentastique? Tu veux un dentastique? Ah, et pour ça on se lève, hein, monseigneur, hein? Pour ça on se lève. Tu te couches. Attendez, regardez-moi les magnifiques tours qu'il fait, Wilson. Assis.
tu te couches dans les jambes. Bravo! More content creators, especially live streamers, starting a second YouTube channel or maybe even a third YouTube channel, just because it's an awesome way to get your content discovered. And you can take this so much further. Like this is just the beginning of how this works. But now. Il est quelle heure, Wilson? Est-ce que c'est l'heure d'aller dehors? C'est l'heure d'aller dehors? Ah bah regardez ce qui vient de se réallumer. Ce truc, je ne comprends pas. Regardez ce magnifique hamac que j'ai installé dans ma voiture pour pas qu'il dégueulasse tout l'arrière. C'est zéro quoi. Toujours mieux que ce matin. Mais il y a de la neige quoi. Je suis même pas en altitude. En altitude ça doit être quelque chose. Je vous amènerai quand j'aurai mes pneus neige parce que pour l'instant je vis dangereusement. La semaine prochaine. Oh my god, il fait moins 8000. J'ai une première polaire, une deuxième polaire et mon truc. Mais il fait trop froid. J'ai trois tours différents normalement les après-midi, soit un tour d'une heure, soit de 1h30, soit de 2h. Celui-là c'est le plus petit, c'est celui d'une heure. Et même une heure ça passe vite hein. Du coup mon truc il sera lui, va savoir. Du coup il est 16h. Et la troisième partie de ma journée commence bientôt. J'ai même pas fait la deuxième, j'ai pas eu le temps vraiment d'éditer la vidéo. Mais bon, au final, je filme toute la journée, donc ça va. Mais du coup, je stream à 17h. Là est la troisième partie de ma journée. Normalement, je fais 17-20h. Il y a des chiens qui passent, Wilson n'aime pas. Hé, t'en as vu assez? Bah oui, t'en as vu assez. Personne pour dire bonjour. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Même pas tu m'as dit bonjour. Ça dort sec, hein? Après avoir fait la fiesta toute la nuit? Ok. Je ressors pas, du coup maintenant je peux rester en jogging. Parce que quand je stream, on ne voit pas que je suis en jogging. C'est quand même bien plus agréable. J'ai encore du café dans mon thermos. Du coup, rien ne se perd. Tout se transforme. C'est pas pour toi ça. Bah oui, ça pue. Bah oui, ça pue. Dans mon bureau où il y a le fond vert, vous verrez peut-être un petit peu mieux après, mais ok, il y a un peu beaucoup de câbles, mais chut, c'est pas grave. Voici mon PC, voici le fond vert et voici le stream qui se lance, voilà, de 17 à 20h, parce que je suis un peu en retard, j'avoue, je vous ai pas tout filmé, mais m'en voulez pas. Genre, vous pouvez dire bonjour au vlogmas, et je sais même pas si ce sera dedans, mais c'est cool. Parce que je fais les deux en même temps. J'ai filmé toute la journée. Et du coup, j'ai pas pu filmer pendant le live. Parce que bah, forcément, je faisais un live. Forcément. Du coup, bah, là, je prouve que j'ai fait quelque chose d'utile pendant ces trois dernières heures. Voilà.
Bon, du coup, il est 20h30. J'ai terminé ma journée. Et il est temps, parce qu'on est mercredi. Non, on est mardi, n'importe quoi, on est mardi. Il est temps de se poser devant Koh-Lanta. Parce que c'est vraiment mon rendez-vous de la semaine, parce que je suis une grand-mère, que voulez-vous. J'aime trop me poser devant Koh-Lanta le mardi. Et du coup, il est temps aussi d'éditer l'entièreté de ce vlog, alors qu'il est 20h30. Et donc là, ça va être le challenge, et c'est là où je ne peux pas reculer, parce que du coup, le montage va être... Voilà, je sais pas comment faire, mais un montage, moi, ça me prend 10 heures minimum, parce que je suis perfectionniste sur des détails ridicule. Donc là, je ne peux pas, parce que là, si le montage me prend 10 heures, ben, j'y serai jusque demain matin, jusque 6 heures. Et demain, rebelote. Du coup, non. Je sais pas si ma petite vie va vous intéresser, honnêtement, parce que même si je fais pas mal de choses, j'ai l'impression de beaucoup bouger, je fais pas des choses exceptionnelles dans le fond, j'ai vraiment une petite vie tranquille et tout, mais je sais que ça pourrait en intéresser certains, parce que moi, ça m'intéresse, mes légumes sont en train de cuire, ils sont en train de... sizzling, comment on dit, de frétiller, non ça ne se dit pas, bref, vous voyez le genre de bruit. Bref, c'est un test, ces Vlogmas, c'est un test pour moi, pour mon perfectionnisme, et pour voir s'il y a vraiment des gens qui regardent ce genre de choses jusqu'à la fin, allez savoir. Mais bref, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier Vlogmas sur du coup 24, je sais pas si on aura exactement 24, je suis pas en train de m'imposer 24, de temps en temps, il y aura des jours qui seront peut-être en double, on n'en sait rien, mais en tout cas, bienvenue dans ma petite vie. Si vous ne me connaissiez pas et que vous avez suivi tout le truc, merci. Moi, c'est Marie, du coup, enchantée. Et c'est toujours aussi chaotique dans ma tête que maintenant. Je sais pas si ça a l'air chaotique, mais dans ma tête, ça l'est un petit peu. Mais je passe du bon temps, n'est-ce pas? Sur ce, santé et à demain. Pour la journée de vendredi, de samedi, et bien ce sera à nouveau de la pluie et de la neige sur les Alpes et sur les Pyrénées, c'est pas trop mal. Sur le nord et près de la Méditerranée.